Alors, je vais vous montrer la différence entre un touriste ordinaire et un touriste YouTuber. Donc, le touriste ordinaire, lui, il arrête ici, normalement. Ça, c'est le touriste ordinaire. Le YouTuber, lui, il passe au bord. Le touriste YouTuber, il vient jusqu'ici. Parce qu'il veut filmer ça! C'est la rivière dans laquelle cette chute de Moïse se glisse. La randonnée est très courte, mais est quand même modérée. Alors, encore une fois, modérée égale difficile. Alors, la terre promise. La terre promise de Moïse. C'est beau. C'est vraiment beau. Ouh!
La chute de Moïse, donc, c'est à voir. Pas très long, effectivement, à peu près 25 minutes, une demi-heure. Avec un décor sublime. Partout ce qu'on regarde, il y a un décor sublime. Donc, à Revelstoke. Dans le parc Revelstoke, donc, le sentier des cèdres géants. Quel âge ont ces arbres géants? Et encore une fois, on parle de Christophe Colomb. Donc, donc, lorsque Christophe Colomb a traversé l'Atlantique la première fois en direction du Nouveau Monde, en 1492, bon nombre de ces touyas et des pruches que vous voyez ici étaient des semis. Quand Léonard de Vinci a mis le dernier coup de pinceau à la Joconde en 1506, les semis étaient devenus des Gaules. Le soir de la première de Roméo et Juliette de William Shakespeare en 1595, ces géants des forêts étaient déjà plus que centenaires. Donc, les cèdres. Bienvenue aux cèdres géants. Je vais pas fermer. Non. Dum. Fermé. Shit. Ça va commencer à être mon speech tout.
myth of old. All of the stories have been told. Secret places hidden well are gone now as far as I can tell. YouTube World. Alors, enfin, une piste qui est ouverte. Donc, on est ici dans le sentier des chutes du ruisseau Beer. Ou le sentier de l'ours. Donc, faire attention, il y a donc des grizzlies, puis il y a des ours. Bon, alors ici, selon All Trails, donc un sentier facile. Regardez, on force même pas. Ça descend, ça descend. Ça descend. Ça descend très bien, mais. Ce qui descendrait bien aussi, c'est une bonne bière. Une piste facile, mesdames et messieurs. L'année passée, Chantal, elle avait fait cette piste-là. Puis avec Patricia. Puis, j'étais un peu jaloux. Moi aussi, je voulais voir la piste de l'ours. Chantal a capoté l'année passée. C'est incroyable. Chantal a capoté. Ah, c'est et tellement oui. Beau. C'est malade. L'odeur ici, de toutes ces plantes mélangées avec les fleurs aussi, ça donne vraiment une odeur parfumée incroyable. Ça sent pas la vieille matante, mais ça sent bon naturel. Excusez pour les matantes. Vous sentez pas tout ça, là, les matantes. Là. Non. Seulement certaines matantes. From the moment we held on to things we cannot see, I would cross the sky forever. It's only just begun. I know you will.
Tell me when you've had enough. When all is said and done, you still feel the fascination. You can blame it on my love. I guess my heart is won. All the freedom you've been chasing. What I may have. Monsieur, un arc-en-ciel YouTuber! Alors voici la fameuse chute de l'ours. Alors, amenez-vous un bon imperméable si vous venez ici. Alors voilà! Allons, attends, ça fait un an que je voulais voir ça. C'est fait! Pour avoir trop endommagé mon équipement. On va voir plus tard. Alors voilà, c'est fait. Alors, je dirais que si vous avez déjà la passe par Canada, mais c'est immanquable. Immanquable. Je suis content d'avoir fait. Merci à Patricia aussi d'avoir pris cette chute l'année passée, d'avoir amené Chantal aussi. Formidable. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, ainsi que tous les autres, donc le pouce, prenez pas de chance, mettez-le tout de suite en commençant. Comme ça, vous ne l'oublierez pas. Puis, les abonnements aussi. On aide les gens dans leur recherche d'activité pendant les vacances. Alors, tout ce qu'on vous demande en échange, c'est de cliquez sur s'abonner, ça donne une notoriété à notre chaîne. C'est très important donc. Alors, voilà. Et puis moi, en échange, je continue à vous faire des bonnes vidéos gratuites! Gratuites! Au revoir, à la prochaine! Youpi!